Salut à tous, c'est Eric Le Gautier, Galago Musique. Bon, à l'heure du reconfinement, la Galago Team et moi-même, après concertation, nous sommes dit que c'était le moment idéal pour vous proposer le 21e Galago Défi. Ouais, 21 déjà, c'est beaucoup. Donc le thème que je vous propose, c'est compo, tout simplement. Parce que les covers, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est un petit peu moins personnel. Et là, entre le corona, les attentats et les élections des USA, il y a largement le temps de se changer les idées, ou en tous les cas de les mettre en forme. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, ça peut être une chanson, vous êtes tout seul, ça peut être une collab à plusieurs, ça peut être juste un instrumental, que ce soit piano, guitare, flûte, tout ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est que vous vous amusiez et que vous arriviez à mettre en forme vos émotions. Donc pour cette édition, il y aura 3 vainqueurs, parce qu'en fait j'ai été contacté assez récemment par Lego. Ouais, Lego, ouais, qui appelle Lego, c'est marrant. Et ils m'ont proposé justement de faire gagner aux 3 vainqueurs leur dernière création. Vous allez voir, c'est un truc de ouf, parce que moi Lego, en fait pour moi j'en étais resté à ça. Le petit train. Le sphinx. Une maison, pas finie. Sauf qu'en fait non, on en est plus du tout là. Donc je vais vous montrer ce que c'est, parce que justement ils m'en ont envoyé un exemplaire. Attention, c'est... ça. Alors, je vous le confesse, j'ai pas eu le temps de le monter, hein, étant donné qu'il fait 3660 pièces. Là, c'est un truc de dingue. C'est donc un piano à queue qui peut vraiment jouer, je crois, avec une appli ou un truc comme ça. Et pour vous aider une intensité du truc, ça, c'est la notice de montage. Donc bon, ça demande un petit peu de temps, évidemment. Mais si vous êtes gagnant et que ça vous plaît pas, quoi qu'il arrive, ça fera, je pense, un super cadeau de Noël. Donc merci beaucoup Lego, évidemment. Niveau deadline, je me suis dit que ce serait pas mal de terminer le dimanche 29 novembre, donc ce serait la date ultime pour poster vos vidéos. Comme ça, ça laissera le temps ensuite, au moins 2 semaines quand même, de regarder tout le monde, de faire la vidéo des délibes, et que Lego puisse envoyer les cadeaux. Et logistiquement parlant, c'est comme d'hab en fait, hein, vous vous enregistrez chez vous. Une fois que votre clip est prêt, vous le mettez sur votre chaîne YouTube. Donc par contre, n'oubliez pas, vous mettez le titre de votre vidéo et vous mettez un petit tiret avec Galago Défi numéro 21. C'est beaucoup plus facile vraiment après à traiter. Et donc quand tout est prêt, vous prenez le lien de votre vidéo et vous le mettrez sur Facebook dans le lien de l'événement. Vous trouverez de toute façon tous les détails et machin dans la boîte de description YouTube. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc je remercie 1000 fois, comme d'habitude, la Galago Team, avec un coucou spécial à Charles Ménil, ouais, qui vient de nous rejoindre dans les admins. Voilà, donc il vous reste à cette date 25 jours pour finir tout ça. Il n'y a pas de temps à perdre, hein, faut vous y mettre. Puis si l'histoire du piano Lego vous intrigue, cliquez là-haut, vous aurez accès à une vidéo de démonstration d'une personne qui a eu le temps et l'énergie de le construire en entier et de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, et à très vite au détour d'un prochain tuto. A bientôt, ciao.